Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors, c'est samedi, j'espère que vous passez un bon week-end. Ici, on a encore de la neige, donc on est toujours en train de se geler, n'est-ce pas? Mais la neige est en train de fondre. Moi, en ce qui concerne le Covid, ça va mieux. Vous savez que j'ai eu Omicron, donc j'ai bien senti passer, surtout la semaine dernière. Là, ça va mieux, quoique au niveau de la gorge, de temps en temps, il faut que je me racle un peu la gorge, mais ça va. Merci beaucoup pour le live hier, hein. Alors, je ne l'ai pas laissé, effectivement, parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'enlève. Je sais pas pourquoi. J'ai dit plein de choses. Une grande bavarde, n'est-ce pas? Et j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse attention. Donc, dans ces cas-là, je suis mon intuition. Vous savez qu'on va être de toute façon avec bébé, comme je dis toujours, Big Brother, n'est-ce pas? Qu'on va être sur la sellette, dans le collimateur. Et j'avais pas envie, voilà, d'attirer l'attention plus que ça par rapport à ce que je pense et à ce que je vois se mettre en place au niveau de notre société. Bon, alors, par rapport à Caligula, ouais. Alors oui, effectivement, Diego Taro pense que il va repartir pour un troisième mandat. Mais moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour Diego Taro. Je la trouve excellente, même si certaines personnes ne sont pas d'accord. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage et elle dit ce qu'elle voit et c'est comme ça. Je sais que Flash Manu Voyance, lui aussi, dit qu'il va toucher aux institutions. Bon, écoutez, moi, je pense que Indigo Taro et Flash Manu Voyance ont bien saisi le personnage qui est fou, de toute façon, et qui veut pas lâcher le pouvoir. Donc oui, il va certainement faire tout ce qui est en son pouvoir, justement, pour rester d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'il visait plutôt la Commission européenne, puisqu'on sait que notre chère Ursula finit son mandat en 2024. Alors, est-ce qu'elle va en avoir un autre? Est-ce qu'elle va partir? Il faudra regarder. Si elle part, est-ce qu'il va postuler le Caligula premier? Donc, il faudrait pour ça qu'il quitte la présidence pour aller vers un poste plus prestigieux, dans lequel il pourrait faire encore plus de dégâts. Donc, bon, pouvoir ici, pouvoir là, de toute façon, on sent qu'il veut pas lâcher le pouvoir, quoi. Donc, faut voir. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, on est mal. Voilà. Mais, ouais, donc, moi, je vais pas regarder ça, hein. De toute façon, il n'a pas fini de faire le travail pour lequel il a été placé, c'est sûr. Et donc, j'avais envie plutôt de regarder s'il ne pouvait pas avoir un incident de parcours au niveau de la santé. Parce que ça, par contre, moi, c'était ressorti dans un de mes tirages. Et Flash Manu, Voyance, j'aime bien regarder ses lives à Manu, l'autre Manu, disait aussi qu'il le voyait avoir un souci de santé. Et moi, c'est ce que je pense. Donc, on va plutôt regarder ça, après cette longue introduction, n'est-ce pas? Donc, pour ça, eh bien, je vais me servir de... comment ça s'appelle? Ah oui, le tarot des visions, oui, c'est ça. J'ai pas utilisé encore le tarot des visions de Tirumarchetti. Alors, vous voyez, ces cartes-là sont très belles. Par contre, je ne vais pas du tout regarder les interprétations parce que je les trouve trop soft. Je vais regarder ce qu'elles m'inspirent. Donc, si vous avez ce tarot-là, n'allez pas foncer sur le petit livre des interprétations. Je vais le faire à ma façon. Voilà. Parce que je trouve que les interprétations, elles ne me plaisent pas. Elles sont trop douces, trop gentilles. Et on peut pas servir d'un jeu quand tout est trop gentil. Ça marche pas. Et puis, je me servais peut-être de celui-ci aussi qui s'appelle le Dark Mirror. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je me sers de temps en temps en consultation, notamment au niveau sentimental, qui est pas mal. Vous voyez, c'est plutôt gothique, hein. Donc, j'ai plutôt envie de prendre ces deux jeux-là pour parler de Caligula, parce que c'est quand même des jeux assez symboliques. Alors, bon, sinon vous avez vu pour Pierre Palmier, hein, toujours pas en prison. Ben ouais, moi c'est ce que je pensais, hein. Après, je peux me planter, hein, mais je ne voyais pas en prison. Pardon. Et je vous avais dit qu'on ne trouverait rien. Voilà. Eh ben non. Alors, on pourra poser la question, savoir s'il y avait vraiment quelque chose à trouver. Moi, mon tirage ne me laissait pas de doute, hein. J'avais des enfants qui criaient et tout. Enfin bref, vous regarderez. C'était tombé, hein. Et puis la dernière carte du jeu, bon, se passait de commentaires. Pour moi, il y a des trucs. C'est sûr, sûr. Mais on pourra poser la question comme ça. Alors, la santé de Caligula. Comment va-t-il? Voilà. Donc, je pense bien à lui, n'est-ce pas? Alors,
Alors ça, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. C'est quelqu'un qui est peut-être assez androgyne. Donc quand même assez féminin. Allez, si, c'est une femme. On va considérer que c'est une femme. Ouais, elle ouvre quelque chose, d'accord. Et là, c'est quoi? Alors, je découvre en même temps que vous, hein. Il y a un carrousel. Ah, vous allez rire. Regardez, on a Pinocchio. Ouais, bah oui, il faut bien s'amuser de temps en temps. Là, on a un Pinocchio. Bon. Pinocchio et sa poupée, qui font les fous, qui s'amusent. Et là, c'est une femme. Ça fait penser, vous voyez, à une espèce de petite boîte. Et on libère des êtres dorés. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment une belle carte, normalement. Une femme de pouvoir. Une femme de pouvoir qui libère quelque chose. Une femme de pouvoir, de puissance. Et là, on fait les fous. Pinocchio qui regarde. Bon, dans cette histoire-là, il y a une femme, sur sa santé, hein, il y a une femme qui libère des choses avec beaucoup d'énergie. Ici. Moi, je pense déjà que par rapport à son état de santé, il doit prendre quelque chose, une espèce de cocktail, qui doit lui donner de l'énergie. Je vous dis, hein, je sors des cartes, là, je me prends mes cartes, comme ça, et je les interprète à ma façon. Il reçoit une espèce de cocktail d'énergie qui l'aide à tenir. Alors même, ici, vous avez Pinocchio, je ne sais même pas qu'il était dans le jeu, qui fait son fou. Voilà, qui est débridé, là, vous voyez? Il fait n'importe quoi, puis il y a une poupée, ici, qui le regarde. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il doit prendre déjà quelque chose pour lui permettre de fonctionner face à ses débordements. Bon, on en a un autre hein, qui s'appelle Joe, qui est du côté de l'Ouest. On se demande aussi comment il fonctionne. Hein. Il doit aussi avoir des petits cocktails de vitamines ou de super méga forts pour qu'il arrive à marcher de temps en temps. Hein. Enfin, en gros, c'est ça. Ben là, c'est pareil. Pour moi, on lui donne quelque chose qui fait qu'il arrive à fonctionner. Alors même que, on voit très bien ici, c'est un cheval fou. D'accord? Bon, ok. D'accord. Alors, au niveau de sa santé, qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé? Alors, Pinocchio, du coup, je vais l'appeler, hein. Voilà. Bon, ben ça, c'est encore lui, le magicien. Puis alors, il y a certains symboles, n'est-ce pas? Hein, l'équerre. On va peut-être pas trop en discuter. Donc, il y a des gens ici qui sont autour de lui, qui ont plein pouvoir, qui le manipulent et qui lui donnent des ordres. Alors, moi, je vais vous dire un truc, c'est que ça, pour moi, c'est pareil, c'est Caligula qui commence à en avoir un peu marre, quelque part, par rapport à tous les ordres qu'il reçoit. Vous voyez, le temps. Il a envie d'autre chose. Il a envie d'une pause, ou alors il va être obligé d'avoir une pause, de faire une pause ici. Vous voyez bien, la personne, elle est repliée sur elle-même. Elle a les pieds qui touchent pratiquement l'eau, donc du ressourcement, voire une cure. Et là, elle est dénudée. Donc là, elle n'a plus rien, quoi. Plus rien pour la protéger. Alors j'ai le chiffre 6 ici. Je ne sais même pas qu'il y avait un chiffre. C'est marrant ces cartes-là. J'ai le chiffre 6. Alors, comment interpréter ça? Le 6, 6 mois. Pourquoi pas? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ah, puis j'ai un 8 aussi. 8, 3, 7. Ah, c'est marrant, je découvre les chiffres. Mais le 6, je l'ai vu en premier. Ah, c'est des chiffres qui tombent de l'horloge. Ah, c'est extraordinaire, cette carte-là. Ouais, donc effectivement, il y a des choses qui sont en train de se dérégler là. Son horloge interne est déréglée. Ah, ça y est, je viens de la voir. Ouais, j'ai des petites choses comme ça qui m'arrivent en tête. Son horloge biologique, son horloge interne est déréglée. Donc, son cycle naturel est déréglé. Il y a un balancier. Il a touché à son rythme à l'intérieur de lui, vous savez. Hein, on a tous un rythme qui nous fait fonctionner. Et lui, c'est déglingué. Voilà, c'est le mot que j'ai. C'est déglingué. C'est tout qui part en petits morceaux. Vous voyez, le chiffre. Le 3, il est là. Après le 4, je suppose qu'il est parti dans la nature. On n'a plus le 5. Il est parti aussi. Le 6, le 7, le 8. Le 8, il est en train de partir. Il y a tous les chiffres qui s'en vont. Toute son horloge interne, elle est en train de se casser la figure.
Donc il va être obligé de faire une pause pour se, voyez, pour se ressourcer, pour se repurifier. Alors gardez le 6 en tête, pour une raison ou pour une autre. J'ai vu le 6 d'abord. Voilà. Donc il y a bien des choses qui vont devoir être arrêtées là. Mais comme je l'ai dit avant, on lui donne des petits trucs pour le faire tenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la santé de Manu? Bon, là, il y a une femme très importante dans sa vie. Alors, je pense que vous savez qui c'est, celle qui a une perruque, hein, qui lui dit quoi faire. Voilà. C'est sa muse. Enfin, sa muse ou son muse. Petit clin d'œil. En tout cas, oui, parce que j'ai l'histoire d'art, là, vous voyez. Donc, quelqu'un, encore une fois, qui lui dit ce qu'il doit faire. Ouais. Bon, on sait qui c'est. Il y aurait des choses à dire encore là-dessus, mais bon. Quelqu'un, vous voyez, qui est beaucoup dans l'histoire de maquillage. Bah oui, avec le budget que cette personne a par an, hein, il peut y aller au niveau de la palette de maquillage. Hein. Enfin bref. Alors, la santé de Manu. Qu'est-ce qu'on a ici? Le penseur de Rodin, ici, mais le serpent et la pomme. Donc, il y a bien quelque chose, vous voyez, la personne, beaucoup de cartes de féminin, hein, elle est dans la même position que le penseur de Rodin, mais elle n'arrive plus à penser, justement. Elle n'arrive plus à réfléchir. Donc, il y a bien le côté mental. Puis, vous avez des cartes ici. Hein. Donc, vous savez, la logique, l'ordre, la méthode. Hein. Et là, vous allez halluciner, mais regardez. La femme, elle a une espèce de cordon qui la relie à un singe. Bon, alors moi quand j'avais fait mes études de psycho, il y avait une expression qui était porter un singe sur le dos. Ça veut dire en fait, ici, ce sont des gens qui sont addicts à la drogue. Ah, comment on dit déjà addict? Addict, c'est anglais, pardon. Qui sont drogués, voilà, qui sont junkies. Ouais, c'est encore un mot anglais, je sais bien, mais je crois qu'en France, on n'a pas de mot aussi fort pour ça. Qui sont dépendants, mais c'est plus fort que dépendants. Donc quelqu'un qui a un fil à la patte, si je puis dire, par rapport à un singe, donc est complètement relié à la drogue. Hein, vous regarderez sur Internet, hein, porter un singe sur le dos, il me semble que c'est pas sur l'épaule, ça va être sur le dos. Voilà, donc ça, c'est quelqu'un, ici, avec la pomme de la tentation et le serpent, qui joue à des jeux très 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 dangereux. Bah ouais, la pomme rouge quand même, hein. C'est le poison. Et puis là, c'est pareil, hein. C'est encore du poison. Donc c'est des poisons avec ici, on est accro et on n'arrive plus à penser. Bon, il va avoir un problème mental qui fait qu'il va devoir effectivement s'arrêter. Moi, j'avais le chiffre 6. Donc oui. Oui. Et cette femme-là, eh bien, elle a tout pouvoir sur lui. Alors. Donc, bah, j'ai la réponse. Hein. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va revenir, hein? Bah, oui. Est-ce que ensuite il sera en état de revenir, hein? Parce qu'il peut très bien partir, je sais pas, moi, faire une cure. Enfin, j'en sais rien, comment ils vont nous le vendre. Mais est-ce qu'il va revenir? Alors, on a le sablier ici. Toujours le temps. Pour finir son temps, j'entends un petit peu que dans ma tête, pour finir ce qu'il a à faire, vous avez aussi un petit peu le sablier en forme de l'infini, vous savez ici. Donc, infini, mais qui sera fini, c'est-à-dire qu'il aimerait bien, effectivement, que ça se poursuive, que ça se poursuive. Mais quelque part, avec le personnage qui met un doigt, vous voyez ici, sur le sablier, qui dit non, attention, son temps lui est compté. Parce que entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, hein, lui, il aimerait bien effectivement étendre à l'infini le temps qu'il a justement pour gouverner, mais le personnage ici dit non, le temps est compté. Vous avez d'ailleurs, si vous regardez bien sur la carte, comme quelque chose qui fuit du sablier, voyez? Et on met le doigt dessus pour justement éviter que ça fuit davantage. Mais ça n'empêche pas.
Donc, c'est du sable ou c'est de la lumière ou ce que vous voulez. C'est l'énergie vitale, moi j'ai l'impression. C'est l'énergie vitale qui s'enfuit. Donc, d'une façon ou d'une autre, même si vous restez quelque part, la nature a ses droits. Et la nature reprendra ses droits et interrompra, contre sa volonté, son temps. Parce que c'est quelqu'un qui est humain, même si c'est surtout une enveloppe physique. Parce que humain, on est d'accord qu'il n'a rien d'humain, il n'a aucune empathie. Moi, j'avais vu qu'il n'y avait pas vraiment de conscience non plus. Mais il a quand même un corps humain avec des organes, et ça va le lâcher. Donc, est-ce qu'il reviendra? À mon avis, pour un certain temps, un temps qui lui est compté. On va voir encore ce qu'il peut nous dire d'autre sur le fait qu'il va revenir. Vous avez ici les poumons. Alors, c'est amusant quand même, hein? C'est une très belle carte, ça. C'est vraiment une carte magnifique. Mais moi, encore une fois, je le vois par rapport aux organes, par rapport à ma question. Et vous avez ici les poumons. C'est les poumons que je vois. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de ces poumons. Pour une raison ou pour une autre, hein. Moi je suis pas très au courant, enfin quoi que si je devrais, puisque j'ai quand même étudié les effets des drogues, mais enfin ça fait longtemps, hein. La coco, ouais non, c'est plutôt les neurones, non? Alors que là je vois les poumons, pour une raison ou pour une autre. La respiration. Les poumons, la respiration, ça c'est la nature. Ok. Donc quelque chose au niveau des poumons, ou au niveau des ramifications, au niveau de la respiration. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, il prend encore d'autres trucs, hein, et ça touche les poumons, hein, allez savoir. J'en sais rien, moi. Alors, j'ai une panne de batterie. Le téléphone s'est éteint d'un coup. Eh ben voilà, c'est un signe. Ça veut dire qu'en ce qui le concerne, ça va s'éteindre d'un coup. Boum, panne de batterie. Il n'y a plus d'accu. Il n'y a plus de batterie, ben, c'est ça en fait. Ça sera pareil pour lui. Vous avez ici les signes, donc il faudra regarder les signes. Il y aura des signes. Toujours pareil, hein. C'est aussi la vanité cette carte-là. Mais les signes, donc faire attention aux signes en ce qui le concerne. Alors, j'étais toujours en train de demander si elle allait revenir. Intéressant aussi cette carte-là. On a un homme, non, pardon. Excusez-moi, que je raconte. Une femme sirène. Une femme sirène. Ah, je commence à tousser. Une femme sirène. Il y a ici une partie qui est dans l'eau et une partie qui est dans l'air. Ça, c'est intéressant. Donc, entre deux mondes. Entre deux mondes. Ouais, entre deux mondes. Alors, est-ce qu'il reviendra? Il y aura des signes, mais quelque part, parce que vous savez, une sirène, c'est une créature. C'est une créature qui ne peut pas vivre complètement dans l'air. Hein. Ce royaume, c'est l'eau. Donc, c'est comme si, en fait, il allait être entre deux mondes. Je ne sais pas comment vous dire. Il va être mal adapté, voilà. Quand il va revenir, il sera plus vraiment humain, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, c'est une créature non humaine. Il fonctionnera plus de façon complètement normale. En gros, c'est ce que j'ai dans la tête. Il sera entre deux mondes. Donc, entre deux eaux. Donc, entre deux états. Oui. Donc, il reviendra, mais il sera plus tout à fait comme avant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je me dis tout qui me viennent en tête comme ça. Et en plus, quand il reviendra, donc pareil, hein, après son break, notamment par rapport à sa santé, il y aura une trahison qui l'attendra. Le chat noir, avec une femme qui lancera les dés du destin. Et vous avez la carte 13. Alors, je sais bien qu'elle trèfle la 4 feuilles, mais bon. Il y a quand même une trahison derrière. Vous voyez? Donc, c'est mitigé tout ça. C'est mitigé. Il y a une femme de pouvoir derrière qui lui fera, à mon avis, une méchanceté.
Très curieux. Bon, ok. C'est la carte du destin aussi, hein. Dame Fortune. Ah, allez. C'est Dame Fortune. Dame Fortune qui lui a souri jusqu'ici. Mais attention, la fortune est capricieuse. Fortuna. Et à mon avis, quand il reviendra, il sera pas très loin de la fin. Ok. Bon, alors la question que vous attendez toutes et toutes, je ne vais pas la poser, si. Non, on va plutôt regarder du côté d'Ursula. Allez, on va demander si Ursula va rester présidente de la commission UE. Voilà. Plutôt ça, moi, qui m'intéresse. L'autre, là, de toute façon, sa place, elle est réservée à un endroit où il fait très chaud, ou alors très froid, enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'il gelait en enfer, mais enfin, bon, ça se trouve, je me trompe, hein. Mais, de toute façon, lui, il est foutu, parce qu'il a fait trop de mal, donc. Donc, on va le laisser à son triste sort. On va plutôt regarder du côté d'Ursula. Mais vous avez vu, hein, au niveau de sa santé, il y a un truc qui se passera. Ouais. Bon, on verra ça. Alors, Ursula, je change. Touc, je suis reparti. Va-t-elle rester à la commission UE jusqu'au bout? Parce qu'elle en a encore jusqu'en 2024. Donc, on va voir. Allez, Ursula. Intéressée de savoir ce qui va sortir. Bon, elle est à la conquête du monde. Hein. Ça, c'est Ursula. Vous voyez, elle met les jambes, ses jambières en plus. Dans le monde, c'est la conquête du monde. Bon, elle est pas loin, elle ne veut pas s'arrêter là. Non, d'ailleurs, c'est encore elle, tiens. On l'avait tout à l'heure pour Madame Perruque, comme on l'appelle. Bah, c'est valable aussi pour Ursula, là, vous voyez. Qui, pareil, qui est une femme conquérante et une femme de pouvoir. Vous avez les colliers de perles ici. Et vous voyez, en fait, je ne vous ai pas dit, mais elle se met elle-même dans un tableau. Donc, il y a l'ego, hein. C'est la carte de l'ego, là. C'est le moi-je. Bon. Donc, elle s'estime pareil, toute puissante. Et elle est à la conquête du monde. Donc, quand vous m'avez dit, est-ce qu'elle va prendre la tête de NATO? Bah, en tout cas, elle en a l'ambition, oui. Elle en a l'ambition. Bien. Mais moi, la question, c'était pas ça, c'était de savoir, est-ce qu'elle va déjà rester présidente de l'UE? Alors, est-ce qu'elle va rester présidente de l'UE? Ursula. Alors là, c'est un peu le fou, le joker. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on... Ah ben c'est pareil, hein. C'est incroyable. Ça fait deux fois les deux cartes de la conquérante. Bon, je dirais qu'elle a envie d'aller plus loin. Vous avez ici, vous voyez. Là, je me souviens de la signification de cette carte-là. Et c'est vraiment, vraiment la guerrière. Tout à l'heure, on avait... Les jambes sur la terre, et là on porte un bateau. Bateau NATO. Ça ressemble, hein? Ouais. Donc vous avez raison, hein? Elle veut prendre la tête de NATO. Absolument. Absolument. Ça, c'est un peu encore une fois la carte du Joker. Hein? La toute-puissance. Alors, est-ce qu'elle va le faire? Du coup, j'étais partie comment moi? Du coup, je sais plus. Comment j'ai mis mes cartes? Bon, on va les mettre comme ça. Je me souviens un peu. Bon, peu importe. Alors. Donc, effectivement. Alors, ben, on va demander, est-ce qu'elle aura la présidence de NATO? Ah ben oui, donc on a Pinocchio ici, qui voudrait bien prendre sa place. Je vous dis, moi, je sais pas, inconsciemment, moi, j'ai quand même l'impression qu'il veut aller plus loin. Bon, enfin, bref. Donc, elle, bah, elle peut très bien être là. Hein. Ok. Et là, il y a les choses qui s'accélèrent. D'accord. Alors là, si on considère que c'est Ursula, elle va demander de l'aide à quelqu'un de tout puissant. Pour réaliser son ambition. Donc, elle va demander conseil à son maître. Vous avez ici encore un enfermement quelque part. Vous avez une femme, hein, vous avez la tête d'une femme. Et vous voyez, elle touche. Mais on sent qu'elle est prisonnière, puisque c'est l'homme là qui la tient
Voilà. Donc, il y a le pouvoir sur elle. Donc, lui, il regarde un siège qui pourrait être vide, par exemple. La Ursula qui va s'en aller. Je pense qu'elle ne restera pas, apparemment. Mais elle n'a pas les mains libres. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment pour qu'elle prenne la suite de Nato. En tout cas, elle ne pourra pas décider toute seule. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'elle aura quand même gain de cause? Ça, c'est elle encore, hein. Ça, c'est elle. Elle va dire qu'elle a les compétences, qu'elle a le savoir. Donc, c'est amusant quand même cette carte-là. Donc, elle va essayer de se vendre, hein. Ouais. Encore une femme de pouvoir. Mais est-ce qu'elle va avoir gain de cause? Je vois la déception, moi, avec cette carte-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu ici les regrets, hein. Il y a une porte qui se ferme ici, il y a un portail. Et moi, je ne suis pas sûre. Je vois les yeux baissés. Là, on serre contre soi une robe. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que c'est la déception. Ce n'est pas une attitude de triomphe, ça. Et encore une fois, j'ai un portail derrière, une porte qui est fermée. En plus, il y a les colombes. Donc, au niveau des conquêtes guerrières, à mon avis, il y aura une paix qui va être signée là. Alors, je m'avance peut-être beaucoup, hein, mais moi, je pense qu'elle perdra la Commission européenne et je pense aussi qu'elle n'aura pas NATO. Regardez, il y a des cartes qui sont tombées par terre. Une déception. Il y a une déception. Mais elle va postuler, oui. Elle va postuler. Là, c'est vraiment l'attitude. On postule. Tiens, on va demander. À ce jeu-là, je n'ai pas encore utilisé. Alors, est-ce que Ursula va avoir le poste à la tête de NATO? Vous avez compris ce que c'est NATO. Alors, ici, on est aveugle à la douleur. Bof, hein? Donc moi j'ai pas l'impression, hein. C'est une carte de souffrance, donc vous voyez, déception. Ah, c'est un peu gothique le jeu, puis en plus c'est encore une femme qui a les yeux bandés. Donc moi je ne pense pas. Puis j'ai la carte 13. Donc c'est la poisse, quoi. Obsession, oui, bah oui, effectivement, elle pense vraiment à ce poste. Obsession. La carte part d'elle-même. Donc elle va vraiment, vraiment, vraiment demander le poste. Ouais. Parasite. Non, à mon avis, elle ne l'aura pas. Hein. Non. Elle ne va pas avoir la conscience de ses... Pardon, la conscience. La conscience aussi, d'ailleurs. La confiance de ses supérieurs. Encore une femme. Parasite. En fait, elle dérange plus qu'autre chose. Donc non. On peut demander, est-ce que ce sera un homme? Tiens, on peut demander, est-ce que ce sera un homme? À la suite de la Commission européenne. Hein, ou plutôt, qui va prendre la suite de la Commission européenne? Alors, je m'avance peut-être un peu. Donc, Ursula, à mon avis, va dégager. Voilà. Et est-ce que ce sera un homme qui prendra la suite de la Commission européenne? Alors, j'ai encore une femme, moi. C'est amusant, on a la même que tout à l'heure. Alors, est-ce que... Mais je ne crois pas que ce soit Ursula. Non. Alors, une femme... Ou quelqu'un, ouais, c'est pas encore, j'ai quand même une femme. Hein. Quelqu'un en tout cas qui, Yin-Yang, qui peut être d'une autre. Attendez, je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire d'une autre culture. Quelqu'un qui est très dans le savoir-faire. Qui est très habile. Ouais, qui est très habile. Mais est-ce que c'est vraiment une femme? Est-ce que ça peut être vraiment une femme? Ouais, ça peut être une femme, hein. Ça peut être une femme, effectivement. Une autre femme.
Ouais. Une autre femme qui, pour l'instant, dont pour l'instant, on ne parle pas. Il y a quelqu'un d'autre qui arrivera. Bon, on verra bien. C'est un tirage un peu curieux. Je vous l'accorde volontiers. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt une figure féminine. Vous allez me dire, il y en a beaucoup d'enjeux. Mais il y a quelqu'un d'autre avec le yin et le yang. Alors, on verra. Puis en plus, il y a l'oméga ici. Ah oui, non, c'est le signe de la balance. Là, attendez, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. Ça ressemblait à un oméga, mais non, c'est le signe de la balance. Ouais, donc c'est ça, quelqu'un d'équilibre, équilibré, ou qui va faire en sorte d'apporter un équilibre d'une façon ou d'une autre. Ok, bon. Qui redonnera un équilibre. Bon, voilà. Donc, petit tirage éclair. Hein. Désolée pour la panne de batterie. C'est amusant quand même, c'est un signe. Je vais vous en faire un autre juste après, un deuxième tirage éclair. En tout cas, on garde ça en tête. Et puis, merci d'avoir regardé ce tirage éclair. À bientôt. Au revoir.